Elengi ya mbongo wa iba kana na est Museveni la même chose vaneza kolota guerre baganya kango eza bituma mibali faut tolonga eza ti makambu na bino constitution non so ki boleki UDPS na makasi bolonga e pour UDPS ako bunda démocratiquement parce que c'est un parti aza na ba militant ba so ba yambi eloko ba kenda ka nenge bi le problème bi problème ni toza na mboko na makambu ta constitution c'est qu'à la différence par exemple, du régime antérieur, l'opposition trouvera toujours du répondant. Parce que l'UDPS, c'est la ferveur militante. C'est le militantisme par excellence, depuis plus de 30 ans. C'est pas de la flatterie, je ne ferai jamais de l'UDPS. Jamais. Je suis centriste et président du centre, mais je suis honnête. L'UDPS va s'imposer. Se battra. L'UDPS se battra. L'UDPS se battra, sachez-le. Donc si vous se battra démocratiquement sur le jeu là, que vous dites, oh non, vous allez faire des marches, à la différence de l'époque de Kabila, c'est qu'il n'y avait pas de répondant. Disons que si je devais donner un conseil à notre première ministre, je dirais, elle doit d'abord définir la vision qu'elle a de sa fonction. Une fonction, ça doit s'incarner. S'incarner, fonctionnalité. Une fonction, ça doit s'incarner. Personne n'a le droit de prendre votre liberté. Moi, en tout cas, la mienne, je ne la donne à personne. Ni à l'Église catholique, ni à l'opposition fantoche congolaise. Je garde ma légitimité de penser et de dire, voilà ce qui devrait être fait pour mon pays. Et chaque Congolais devrait avoir cette rigueur personnelle et cette jalousie face à sa liberté. Ils ne connaissent pas plus que vous ce qui est bien pour vous. Ils ne savent pas plus que vous où vous voulez aller. Soyez libre de décider. Voilà ce que je dis au peuple congolais. C'est qui dit changer la constitution de Kodan Bolimbisi? Oui. Et lobby, nyon soe koui. Ça, c'est des mensonges. T'as eu régime yassika. Mais on vous raconte plein de mensonges, en fait. Et même l'article 220 est raison risqué. Koui, et chef de l'État, c'est représenté les sous. Mais alors, il n'a qu'à se représenter. Et autres, nous sont votés. Mais non, ne votez pas pour lui, c'est tout. Mais Chadari, il était candidat à la place de Joseph Kabila. Ils avaient le pouvoir, ils avaient tout. Mais c'est Tshisekedi qui est président. Mais s'il veut se représenter et qu'il pense que les deux mandats n'étaient pas suffisants, ne votez pas pour lui. Faites comme vous avez fait avec Chadari et le régime de Kabila. On a bien vu que si c'était possible, Chadari serait président. C'est un peu comme au Cameroun, chaque fois qu'on arrive à une élection et que le président n'est pas éligible, il touche un peu la constitution et il est voté. Vous ne... Et la faute est à qui, là? La faute est... C'est à vous de répondre. Non, la faute est au peuple. Moi, je suis un libertarien. Je suis de l'école d'Étienne de la Boétie. Ça veut dire que pour moi, ce qui compte, ce n'est pas d'asseoir des pouvoirs et de leur donner des capacités qu'ils usurpent en réalité par notre soumission. Moi, je dis, je suis un être libre. Je dis aux Congolais, vous êtes des êtres libres. Le débat ou l'échange se poursuit sur cette thématique, qui éclabousse, qui fait bouger les lignes, la thématique sur le changement ou la révision constitutionnelle. Tout le monde en parle, que ce soit ceux qui sont contre, ceux qui sont pour. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va entendre une autre voix, un autre son de cloche. Une personne que vous aimez certainement, qui va aujourd'hui nous donner son avis à ce sujet. Quels sont ses arguments, qu'ils soient pour ou contre, on le saura sur ce plateau. Merci de nous faire confiance. Vous suivez votre émission Face à l'opinion. Nous recevons pour vous Monsieur Germain Kambinga. Monsieur Germain Kambinga, je vais oser le présenter, bien qu'il n'est plus présentable. Ancien ministre de l'Industrie, il est président du Parti Liberté. Beaucoup de diplômes qu'on ne veut pas citer sur ce plateau. Il est auteur, écrivain, sa dernière publication est là. Continuons le changement, tout récent, hein, en tout cas, que nous vous conseillons de lire, de suivre. C'est vraiment très riche.
avec qui nous allons donc échanger sur cette question de la Constitution. Bonjour et merci de prendre part à cette émission, M. Germain Kaminga. C'est toujours un plaisir de se mettre au service du débat public pour édifier la société. Merci bien. Je suis avec Mme Naomi Mpila pour la partie Lingala. Mbote Mme Naomi Mpila. Mbote Ndeko Danzen, Mbote Ndeko Germain Kaminga. Salut Mikolo Ebele, tu as qui naote, ou tu as ma ponomie, ou tu as qui koleka. Oui, Nazala Kilibanda et Lingala Nanga et Bébé Lissoussou. Merci, Togo Bungi Samou ensemble. Matin Domingi. Monsieur Germain Kaminga. Aux Hollandais, aux Hollandais, Mme Ndeko Samarambouka, est-ce que depuis l'élection, moi, évolution est monnaie? Pour bander le changement, tokoba la changement. Mais je n'ai pas dit, c'est pour ça que tout ça, ils ont tout sur le lama kambouana nyoso. Doye ba, est-ce que Congo est à coquin de libosso, est-ce que tout ça zonga sima? Mais oyo, il faut boye ba, c'est que entre extrémité, nana ponanze la, il y a vérité. Donc il y a le baka ka vérité, oyo ngai nazo komona. Rien que la vérité. Voilà. D'accord, commençons par. Le débat de l'heure, oui, la Constitution. La Constitution. Vous êtes dans quel carcan? Vous êtes pour ceux qui sont pour le changement, pour la révision ou pour le maintien? Disons que moi, je suis tellement pour le changement de Constitution que j'ai créé un parti politique il y a 10 ans, presque 10 ans, Liberté, qui a pour créneau l'avènement de la 4e République. Donc j'ai souhaité et je souhaite cela depuis de très longues années. Et donc je n'ai pas attendu qu'il y ait l'annonce du président de la République ou qu'il y ait un débat. D'ailleurs, cette année, ma dernière conférence de presse, en février, j'avais déjà considéré que, de mon point de vue, le président de la République devrait avoir le courage d'entrer dans l'histoire par la grande porte en offrant au pays la possibilité de se doter d'une constitution qui correspondrait un peu plus, ou sinon beaucoup plus, aux réelles perspectives que ce pays devrait pouvoir s'offrir. Lorsque nous avons fait l'analyse des limites de notre Constitution, nous nous sommes rendus compte que, dans le fond, cette Constitution n'était pas structurée pour permettre à notre pays de se développer. C'est une Constitution de politique politicienne, bien comprise par les acteurs et bien utilisée dans des objectifs purement politiques. Je m'explique. Dans cette vous avez dit que cette constitution ne permet pas au pays de se développer. Ah non, notre constitution n'est pas structurée pour permettre à notre pays de se développer. Mais tout simplement parce que c'est une constitution permissive. C'est une constitution faite dans la tradition des constitutions des pays développés. Et les pays développés n'ont pas les mêmes problèmes que les pays sous-développés. Un pays comme le Congo a pour ambition de se développer. Donc, lorsqu'on écrit une constitution, on doit avoir en ligne de mire d'abord les objectifs de développement. Comment nous partons d'une situation A vers une situation B? La constitution, c'est l'organisation en amont de la société qui doit permettre en aval la mise en place de mécanismes de contrôle et de contre-pouvoir pouvant permettre au pays d'atteindre ses objectifs de développement. C'est quoi une nation? C'est quoi un État? Pour qu'on se mette ensemble, d'abord au sein d'un État, ça veut dire un territoire institué, ayant une capacité de commandement établie. Et pourquoi est-ce qu'on est une nation? Mais c'est parce qu'on aspire à la même chose, c'est au bien-être, au développement. Et la Constitution, c'est un instrument d'organisation, c'est un fait politique qui doit nous permettre d'atteindre cet objectif. Et notre Constitution ne peut pas nous permettre de nous développer. Ce n'est pas une question d'article. Ah non, concrètement. Non, Ezako Pekisate. Non, parce que si vous dites Ezako Pekisate, non, Ezako Permettre-té. Premièrement, ce n'est pas une question d'article, c'est une question de philosophie, comme on dirait en français. Les Congolais, comme la plupart des êtres humains, choisissent la loi du moindre effort dès lors que cela leur est permis. Je vais vous donner quelques exemples. Vous avez une caisse de péréquation qui est supposée ponctionner 10% du budget national pour assurer le développement intégré du pays. La Constitution a été votée au référendum en 2006, on est en 2024. À quel moment cette caisse de péréquation
s'est mise à fonctionner et elle n'est pas fonctionné, qui en est le responsable et quelle est la sanction politique qui accompagne cela? Chaque année, nous avons des budgets qui sont votés, qui ne sont pas respectés. On a encore suivi le président de l'Assemblée parler de dépassement budgétaire. On a une loi financière, la LOFIP, qui n'est quasiment pas respectée. Quelle est la sanction politique qui s'impose sans possibilité de contournement? Chaque session électorale, on constate qu'il y a des problèmes de financement des élections alors qu'on a 5 ans et qu'on a un gouvernement dont c'est la responsabilité. Quelle est la sanction politique? Mais absolument. Non, l'être humain n'est pas fait pour respecter. L'être humain est fait pour être contraint. Il n'y a aucune société qui ne s'est constituée sur la bonne foi des êtres humains. Les règles qui ont constitué les sociétés développées, de l'ordre primitif à la société féodale, en passant par la société monarchique vers la société de la République et les sociétés démocratiques, l'équation a toujours été comment sortir de cet élan naturel de l'être humain à créer le désordre pour le contraindre à l'ordre. L'ordre institutionnel dans lequel nous vivons, universellement, nous qui sommes les nations qui avons choisi de nous appuyer sur l'idée démocratique, repose sur les réflexions de John Locke et du baron de Ségonda, Montesquieu, des démocraties en Amérique et de l'esprit des lois, les deux grands ouvrages fondateurs des institutions démocratiques modernes. Et il est clair que lorsque on analyse le fond de la constitution des institutions dans les nations, le combat a toujours été de faire en sorte que, au-dessus des hommes, ça veut dire de leur volonté, se retrouvent des institutions. Et comment est-ce que cela se fait? C'est par le jeu des contre-pouvoirs et le jeu des sanctions. Et notre constitution n'offre pas suffisamment de contraintes pour que dans une phase de décollage, les décideurs publics soient dans l'obligation d'offrir des résultats. Sinon, ils tombent sous le coup des sanctions impératives. Vous avez dit quelque chose qui m'a un peu tiqué, si vous permettez qu'on y revienne quelques instants. Vous avez dit que les lois ne sont pas faites pour être respectées. L'homme n'est pas fait pour respecter la loi. Oui, non, pas du tout. L'homme n'est pas fait pour respecter la loi. L'homme est fait pour être libre. Ça veut dire que l'homme, c'est-à-dire que cette constitution n'est pas faite pour être respectée par l'homme. Non, pas du tout, les hommes. Non, notre constitution, c'est de l'anthropologie politique. Et il ne faut pas être dans l'idéalisme. Prendre ce qu'on a dans la tête et penser que c'est la nature et la société. Pourquoi est-ce qu'il y a des lois? Pourquoi est-ce que les sociétés se sont organisées? Parce qu'à la base, nous sommes dans le régime de la loi du plus fort. Enfin, là, l'histoire de l'humanité. Pourquoi est-ce que ça marche en Occident? Parce que la psyché générale a, dans l'évolution de ces sociétés, mis les institutions, pas tout de suite, ça s'est fait au fur et à mesure, parce qu'on a eu des rois qui étaient supposés être des descendants de Dieu, on a eu des rois dont le pouvoir était supposé émaner de Dieu pour arriver à la République, on est passé par le cléricalisme vers l'anticléricalisme pour arriver à la société laïque. Tout ça, ce sont des évolutions qui avaient pour vocation de créer des contraintes qui limiteraient le pouvoir naturel de l'homme, la volonté naturelle de l'homme, à être dans une liberté qui irait au-delà de celle de l'autre, pour créer une société plus harmonieuse. C'est ça le rôle des lois. S'il y a des lois, c'est parce que s'il n'y en a pas, c'est l'anarchie. Vous comprenez? C'est pour ça que les lois, c'est pour ça que les règlements doivent toujours s'amender et s'adapter, un peu comme des logiciels. Vous voyez, quand vous avez vos téléphones, il y a des mécanismes d'actualisation de vos logiciels. On appelle ça des mises à jour. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a des hackers, il y a des gens qui maîtrisent et on essaye d'améliorer. C'est la même chose avec les règlements et les lois. Nous sommes à un stade encore plutôt primaire de notre adaptation aux mécanismes de réseautage structurel des États. Donc on doit avoir la modestie de comprendre qu'on est encore dans une logique où les constitutions dont nous avons besoin doivent être des constitutions avec des obligations claires, pas des énoncés vagues de principes. La première révolution constitutionnelle dont on a besoin, c'est la révolution de la sanction. Il faudrait, ça c'est le rôle de nos constitutionnalistes et des juristes qui sont outillés pour cela, intégrer au minimum un article déjà qui dit
que le régime de sanctions politiques est une obligation légale pour notamment la mise en place de certaines lois organiques liées à cette même constitution. Je m'explique. La loi organique de la CENI doit dire que si un gouvernement n'arrive pas à fournir la quotité annuelle de son budget quinquennal pour qu'il y ait des élections à temps, pour que ce débat n'ait plus lieu, ce gouvernement, dès la première année, est réputé, par exemple, démissionnaire. Ça veut dire que si vous faites ça, chaque Premier ministre qui est là sait qu'au moment de la reddition des comptes, si la CENI n'a pas eu un cinquième de son budget à temps, il n'y a même pas de débat, il est réputé démissionnaire. La même chose pour la caisse de péréquation, la même chose pour les 40% de rétrocession aux provinces. Il y a tellement de sujets sur lesquels notre Constitution n'impose aucun régime de sanctions politiques impératifs que ce n'est pas une Constitution qui peut nous permettre de nous développer. C'est une Constitution, moi je l'appelle, de politique politicienne. C'est une Constitution qui, même si on changeait les acteurs qui nous gouvernent aujourd'hui, je mets au défi quiconque qui pourrait me prouver qu'avec cette mode d'organisation de notre société politique, nous avons une chance de nous développer. Mais à côté de cela, il y a beaucoup d'autres arguments. Il y a les arguments que je pourrais aborder ici. Tenez, la question de la souveraineté. Je vous ai dit que la Constitution est un fait politique. Mais cette Constitution n'est pas l'émanation d'une souveraineté absolue du peuple congolais, d'abord. Bien sûr, on peut penser que c'est un débat de coquetterie, un débat cosmétique, mais c'est quand même un débat qui, à un moment, ne peut pas passer par perte et profit. Il y a la loi fondamentale de 1960 qui a été votée et adoptée, rédigée, votée par le Parlement belge et qui a permis au Congo de fonctionner de manière transitoire, mais on a été obligé en 1964 de passer par la constitution de la Labour, votée par référendum. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvions pas continuer avec un texte fondamental dont la source de légitimité était l'étranger. Mais celui-ci est passé par référendum également. On va y arriver. 2006. On va y arriver. Référendum. 2005, voté en 2006. On va y arriver. Je vais m'expliquer. Comment s'écrit cette constitution ? Alors, j'ai vu beaucoup de débats. Certains ont dit que c'est la constitution des belligérants. D'autres ont dit non, ce sont d'éminents professeurs congolais qui sont à la base de son écriture. Le président dit qu'il y a Bapaya, après Bapaya. Toujours est-il qu'il y a une... à l'étranger aussi. Toujours est-il qu'il y a une vérité historique derrière cela. Moi, je pense qu'il y a une double illégitimité en termes de souveraineté qui pose un problème au niveau de cette constitution. La première, c'est qu'à ce moment-là, quand cette constitution est rédigée, le Congo en tant qu'État est un espace éclaté avec des institutions déliquescentes. Nous avons un processus de réconciliation et de remise en état de notre État totalement financé par la communauté internationale, qui à ce moment-là est un soutien fort du pouvoir de l'époque, le pouvoir de M. Joseph Kabila. Il a le soutien de la communauté internationale. Donc, c'est eux qui l'accompagnent. On a le Rwanda qui appuie fortement le RCD Goma, dont il est la mamelle nourricière et philosophique et idéologique. On a l'Ouganda, et rien ne nous laisserait penser qu'à ce moment-là, en 2004-2005, que l'Ouganda qui a accompagné le MLC n'a toujours pas son mot à, n'a plus son mot à dire. Rien ne nous prouve le contraire non plus. Ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation où les rédacteurs de cette constitution sont l'émanation des composantes et des entités issues du dialogue intercongolais qui, s'agissant du gouvernement, est dépendant de la communauté internationale parce qu'il y a une volonté de légitimation du pouvoir de Joseph Kabila. Le RCD est dépendant du Rwanda, le MLC de l'Ouganda, le RCD Kamel, le RCD ML et toutes les autres entités, Maïma et autres, ont de toute façon des dépendances extérieures qui influencent leur propre point de vue et leur réflexion sur les intérêts qu'ils ont à défendre. Les commissaires, la constitution, Bapaya. Je vais y arriver. Ça veut dire que de ce point de vue-là, déjà,
les personnes qui sont désignées comme des experts ne sont que l'émanation de toutes ces composantes-là. Personne ne rêverait que Évariste Beauchamp, lorsqu'il est à Kisangani pour la rédaction, ne reçoit pas les instructions du pouvoir en place. À Kisangani ou à l'étranger? Non, la constitution a été rédigée à Kisangani. À Kisangani? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Vous pouvez vérifier. Oui, tout à fait. Ça, oui. C'est contradictoire à ce que le chef de l'État... Non, il faut bien comprendre que lorsque le président parle, c'est de façon imagée. Comprenez bien le cheminement pour montrer qu'il y a une lacune en termes de souveraineté dans la rédaction de cette constitution. Ceux qui rédigent sont stipendiés par l'étranger et cela entache la légitimité souveraine de cette constitution d'une manière ou d'une autre. Personne ne peut penser que cette communauté internationale qui a offert les voitures du gouvernement, le fort, qui a financé la MONUSCO, qui a financé le BCECO pour les efforts de reconstruction nationale, qui a financé le dialogue intercongolais, per diem, billet d'avion, qui a structuré la transition, qui l'a accompagné... Malgré le référendum qu'il y a eu en 2005. N'avait rien à dire sur la rédaction de cette constitution. Malgré le référendum. Je vais y arriver. La consultation populaire. Je vais y arriver. Là, alors on a donc une double lacune en termes de légitimité. C'est l'ingérence extérieure dans la rédaction, parce que les acteurs décisionnaires à cette époque, qui sont d'ailleurs des partis constitutionnels, ces partis ont une existence constitutionnelle. L'acte de transition, qui fait office de constitution, reconnaissait l'existence du RCD et tout ça. Donc c'est des structures extrêmement puissantes en ce moment-là, qui elles-mêmes sont stipendiées par l'extérieur. Donc à partir de là, la rédaction de la constitution a forcément une implication de l'extérieur. Maintenant, à l'intérieur. Vous dites, il y a eu un référendum. Mais je suis d'accord avec vous, personne n'a dit le contraire. Il y a eu un référendum. Mais ce référendum est le résultat de quel processus? D'un processus d'imposition par des composantes armées qui avaient envahi la capitale avec des cortèges de chars de combat et qui avaient transformé la ville en une espèce de poudrière et le pays... Et la conséquence? Était une poudrière. La conséquence, c'est que lorsque vous avez un pistolet dans la tempe, votre choix n'est plus un choix objectif, c'est un choix imposé. Mais c'était dans un contexte. Est-ce que nous avions contexte, le choix? Il y a un contexte, mon côté. Mais bien sûr. Solution, quand mais même, bien sûr. Merci de mettre de l'eau à mon moulin. C'est parce que le contexte de l'époque l'exigeait, de l'époque. Est-ce que nous pouvions nous permettre de continuer avec 4 vice-présidents, dont 3 se balader avec des chars de combat et plus de 1000 personnes à leur disposition? On a d'ailleurs vu qu'il y a eu des guerres ou des débuts de guerre à Kinshasa. C'était pour montrer à quel point chaque Congolais était dans cette espèce de psychose de sortir de cette crise politique pour, disons, sortir un peu de cet état particulier où le Congo était une nation entièrement à part, pour devenir une nation à part entière, globalement. On était pressé de sortir du statut particulier de nation entièrement à part, 4 vice-présidents, des roquettes dans tous les coins de la ville pour la protection des hautes personnalités issues des rébellions et autres. Tout le monde était impatient. Donc c'est un peu un référendum avec un pistolet dans la tempe. Les Congolais avaient-ils le choix, réellement? Ça aurait été quoi l'alternative? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis... C'était une volonté conditionnée qui, si on ouvre le débat de la légitimité de cette constitution, on se rend bien compte que qu'il s'agisse du choix réel du peuple, le peuple n'était pas totalement libre parce qu'il était conditionné par la psychose de la balkanisation, de la guerre qui se vissait à l'Est et par la présence des troupes armées par milliers se regardant en chaîne de faïence dans la capitale et dans les grandes villes du pays. Le choix du peuple, il est-il... Et plus haut, nous avions des groupes décisionnaires qui eux-mêmes n'étaient pas des groupes indépendants. La partie gouvernementale, totalement soumise à la volonté de la communauté internationale qui finançait le processus et qui avait son schéma, maintenir Joseph Kabila au pouvoir. Le RCD Goma, base arrière, c'était le Rwanda. Donc ce sont ces gens-là qui ont rédigé cette constitution. Pour moi, cette constitution n'est pas mauvaise, mais c'est une constitution transitoire. Je n'ai pas d'une constitution de transition.
Pour moi, cette constitution a à peu près la même valeur que l'acte constitutif de 1960. Ça veut dire que c'est une constitution transitoire, parce qu'il y a des lacunes en termes de souveraineté pour lui donner la plus grande légitimité. Nous l'avons acceptée, nous l'avons utilisée, et je pense que les objectifs les meilleurs que cette constitution pouvait atteindre ont été atteints. Maintenant, est-ce que nous devons nous contenter de recommencer en permanence les erreurs du passé? Ça veut dire continuer, par exemple, s'agissant de nos élections, à mettre notre pays en danger à la veille de chaque processus? Ou devons-nous, à travers notre constitution, tirer les conséquences des élections de 2006, de 2011, de 2018 et de 2023 pour faire ou proposer, à travers une nouvelle constitution, des mécanismes? Une nouvelle constitution ou une révision constitutionnelle? Moi, je suis pour une nouvelle constitution. Mais certains seraient plus timides et proposeraient une révision. Ceux qui ne seraient pas... Vous avez le changement de la constitution. Est-ce que la constitution est 2006 et vous prévoir et si vous topé na vous avez dit que vous est-ce que Esika est commis clairement que Torosa la Bepoto Bongo la constitution en 2006? Alors, voilà, il faut, faut qu'on se comprenne bien. Je vais parler en français et puis je reviendrai en lingala. Vous savez, John Locke, je reviens sur lui parce que on parle, c'est eux qui ont fait ces choses-là sur lesquelles nous nous appuyons. Il dit, chaque génération est un nouveau peuple. Dans les Amériques. Chaque génération est un nouveau peuple. Qu'est-ce qui fonde la légitimité des groupes politiques de 2001, 2002, 2003, 2004 de statuer définitivement sur le comment nous devons vivre ensemble, et ça définitivement? Ce serait quoi le fondement de leur légitimité qui leur donne ce droit à ces gens de nous dire à nous, à vous, à tous ceux qui arrivent, vous n'avez pas le droit de penser autrement l'avenir de votre pays et votre organisation en tant que société. Nous l'avons fait pour vous, nous qui savions tout et qui pouvions tout. Mais c'était dans un contexte donné. Est-ce que contexte ni le... Mais est-ce que la légitimité populaire, elle a changé? Est-ce que le peuple a perdu le droit d'être l'architecte suprême de sa propre destinée parce que des bonhommes se sont retrouvés en 2006 et ont pondu une constitution? Non, moi je ne donne pas ce droit à ces gens-là. Et je ne donne ce droit à personne. Ça veut dire qu'on peut changer la constitution à chaque... Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne donne en tant que Congolais... Madame, je ne donne ce droit à personne d'avoir décidé à ma place. Définitivement. Le contrat social démocratique, c'est le contrat de la liberté individuelle. La liberté individuelle, c'est la liberté de changer d'avis. C'est la liberté de décider autrement. Il faut bien savoir que les barrages constitutionnels ne sont que des coquetteries qui ont pour limite la volonté populaire d'une part et la force. Mais à quel moment on peut se décider en tant que peuple de pouvoir changer cette constitution? Quel est le moment idéal? Mais à tout moment, pour autant qu'on soit les plus nombreux, c'est ça la démocratie. Il n'y a pas d'autres règles. Mais je vous ai posé une question, Naomi Mpila. La Constitution, il ne faut pas l'essentialiser. C'est ça le problème du débat public au Congo. On veut essentialiser la Constitution. La Constitution n'est pas une Bible. Ce n'est pas la Torah. Ce n'est pas le Coran. Ce n'est pas la parole de Dieu. Oui, c'est un contrat. Il faut tout ça, ça ou ezana. Bisou awa. Et puis si bisou n'ingise yako bo yako. Mais qui a dit qu'il fallait? Mais dites-moi. Mais dites-moi. Président de la République, deux chambres à parlement, pétition, mais changement yako. Mais non, madame, ça ce sont non. Disposition ni les pessimistes. Non, ça ce sont des arguments, les arguments fallacieux d'une opposition en manque d'idées et qui n'a pas beaucoup de sagesse. Et je vais m'expliquer. Limbola. Premièrement, est-ce que cette opposition, si elle était intuitive et maligne, a intérêt à ce que la Constitution ne soit pas changée? Je pense qu'elle n'est même pas consciente de ses propres intérêts.
quelle est la possibilité qu'offre cette constitution à l'opposition de devenir la majorité de demain? Zéro. Zéro. Il n'y a aucune possibilité démocratique que cette constitution offre à l'opposition d'être la majorité gouvernante de demain. L'opposition suit l'ombre au lieu de suivre la proie. L'ombre, c'est le président Tshisekedi, la proie, c'est le pouvoir. Voilà pourquoi elle se trompe. Je vous pose une question. Je pose une question au peuple congolais qui vous suit par milliers. Donnez-moi, si je me trompe, une seule possibilité démocratique au terme de cette constitution et des lois qui accompagnent cette constitution qui permettra à l'opposition actuelle d'être la force majoritaire demain, en 2028. Aucune. Je vais vous l'expliquer. La constitution parle de la Commission électorale nationale indépendante. Il y a une loi organique qui accompagne cette même constitution, cette même Commission électorale nationale indépendante, qui dit, c'est très simple, qu'on sait déjà qui va diriger la prochaine CENI. Le premier vice-président, il sera forcément de l'UDPS, parce que c'est le parti majoritaire, et ensuite vous aurez tous les groupes politiques majoritaires que vous connaissez. Vous avez une majorité au pouvoir qui a 450 députés, donc ils vont occuper toute la plénière de la CENI. Et une opposition qui ne comprend pas qu'elle n'a aucun intérêt au statu quo. Moi, j'aimerais que le peuple regarde cette opposition en face et se demande si elle n'est pas complice. Vous ne répondez pas à la question de... Non, je vous réponds. J'ai l'impression que vous ne répondez pas. Si. Je vous repose ma question. Donc, c'est pour dire... Oui, allez-y. La question sur le mode de changement, le mécanisme. Je vais... Parce que non, mais moi, je vous ai donné ma réponse. Les constitutionnalistes disent que la constitution ne prévoit pas... Mais non, malheureusement, pour les constitutionnalistes, la constitution n'est pas un fait juridique, c'est un fait politique. D'abord... C'est-à-dire que... C'est d'abord... Oui, si, il a 70 millions de Congolais, et ce ne sera pas n'importe quel politicien, justement, parce qu'on est 100 millions. Ça veut dire, à chaque fois qu'il y aura plus de la moitié des Congolais qui seront d'accord et se diraient... Cette façon d'aller ne nous convient pas, on pourrait le faire. Parce que nous sommes d'abord une société jeune et en construction, et que tout est à faire. Donc l'essentialisation de la Constitution n'est pas une panacée pour nous. Voilà, tout simplement. Dans un donc pays en guerre, oui, donc, priorité, les lois et au bon ou la Constitution. Et dans un pays en guerre, la priorité, ce serait de ne pas changer la Constitution. Qu'est-ce qui vous dit que parce qu'on change la Constitution, on ne fait plus la guerre? Martin Fayoulou, mon quoi opposant, a tel ici que priorité, les lois et alli, couper sa kimia, couper sa lipa, couper sa bien-être à la population. Mais moi, j'aimerais bien qu'il m'explique en quoi est-ce que changer la Constitution empêcherait cela. Il y a deux choses. Il ne faut pas se tromper. Parce que là, vous mentez au peuple congolais. Quoi, parce qu'on vous a dit que dès lors que le processus sera mis en place, il n'y aura plus d'économie, il n'y aura plus la gestion du pays, l'armée n'aura plus de financement. Quelqu'un a dit ça? C'est pour ça que je dis, il ne faut pas essentialiser. Qui dit changer la constitution, décodant volume ici. Oui. Et lobby, nion soit koué. Ça, c'est des mensonges. T'as eu régime yassika, toqué la République. Mais on vous raconte plein de mensonges, en fait. Et, même gens... l'article 220 et raison risqué quoi et chef de l'État s'est représenté les sources. Mais alors il n'a qu'à se représenter. Et autres ont sorti. Mais non, ne votez pas pour lui, c'est tout. Mais Chadari, il était candidat à la place de Joseph Kabila, ils avaient le pouvoir, ils avaient tout. Mais c'est Tshisekedi qui est président. Mais s'il veut se représenter et qu'il pense que les deux mandats n'étaient pas suffisants, ne votez pas pour lui. Faites comme vous avez fait avec Chadari et le régime de Kabila. On a bien vu que si c'était possible, Chadari serait président. C'est un peu comme au Cameroun, chaque fois qu'on arrive à une élection et que le président n'est pas éligible, il touche un peu la constitution et il est voté. Vous ne... Et la faute est à qui, là? La faute est... C'est à vous de répondre. Non, la faute est au peuple. Moi, je suis un libertarien. Je suis de l'école d'Étienne de la Boétie. Ça veut dire que pour moi, ce qui compte, ce n'est pas d'asseoir des pouvoirs et de leur donner des capacités qu'ils usurpent en réalité par notre soumission. Moi, je dis, je suis un être libre. Je dis aux Congolais, vous êtes des êtres libres. Moi, mon problème, ce n'est pas l'ombre, c'est la proie, je vous l'ai dit. Si vous focalisez votre réflexion sur « je ne veux pas voir Tshisekedi, je ne veux pas voir Tshisekedi », mais vous oubliez tous les autres problèmes. Vous ne mobilisez pas vos masses, vous ne préparez pas un projet alternatif qui peut rassembler les Congolais autour de vous, et vous allez vous retrouver à une élection en 2028 que vous perdrez de toute façon.
C'est ce que j'essaye de vous expliquer pour que l'opposition, qui ne semble pas très maligne, comprenne quel est le véritable enjeu. Et je vous ai expliqué que l'opposition congolaise, si elle était un tantinet stratège, saurait qu'elle n'a aucun intérêt au statu quo. Parce que rien que du point de vue de l'organisation majoritaire de notre système politique, ils n'ont aucune possibilité d'y arriver. Parce que la CENI, telle que les choses se structurent avec l'actuelle constitution et les lois en vigueur, sera pour 2028 composée à 99% des acteurs dont eux, l'opposition, contestent et la légitimité et l'efficacité dans la gestion du pays. Donc s'ils étaient stratèges, ils réfléchiraient à cette brèche tendue par le pouvoir en place pour voir dans quelle mesure, si révision constitutionnelle ou changement de constitution il y a, ils tireraient parti de cela pour que des améliorations en termes d'équité et de transparence puissent se faire au bénéfice des prochains processus électoraux. Nous sommes une démocratie en tant que telle. La démocratie a aussi pour pilier l'alternance. Mais la démocratie, bien sûr. C'est parmi les piliers de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans alternance. Si vous dites que oui. Tout celui qui est fort, qui a la population, il peut faire autant de fois, il peut changer autant de fois la constitution, s'il a la population, là, nous n'avons plus, nous ne respectons plus ce principe sacro-saint d'alternance. Donc, on n'a pas du tout la même conception de la démocratie. Alors, la démocratie, c'est le pouvoir de la majorité. C'est ceux qui sont les plus nombreux. Le respect des lois. Non, c'est d'abord les lois sont faites par des hommes et sont votées par des majorités qui sont désignées par des groupes majoritaires. C'est ça l'organisation de la société telle que nous la connaissons. Il ne faut pas vous tromper. Les minorités ne dirigent pas en démocratie. Les minorités s'expriment. Mais si la démocratie est réelle, ce sont les majorités qui dirigent. Et l'intelligence des minorités, si elles veulent devenir majoritaires, c'est de saisir des couloirs de réalisme qui parfois se présente pour devenir à leur personne coup. Peut se présenter 10 fois à une élection présidentielle aussi longtemps qu'il a une majorité. Mais lorsqu'on pousse l'idée démocratique jusqu'au bout, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas souhaitable, mais ce n'est absolument pas absurde avec l'idée démocratique. Parce que précisément, si nous avons confiance au peuple, si nous pensons que les démocraties dans son stade, dans son niveau le plus élevé, c'est les démocraties populaires, le peuple a le droit de décider. Mais évidemment, ce n'est pas souhaitable parce qu'à la fin de la journée, les démocraties arrivent quand même à s'organiser, à se structurer autour de réalités partisanes qui font qu'il y a des règles, qui limitent les choses. Mais en définitive, ce que vous devez comprendre, il faut bien comprendre de quoi je parle, hein, c'est que il ne faut pas se tromper de cible. Nous avons besoin d'outils de notre développement. En amont, la constitution actuelle, je signe et je persiste, ne le permettra pas. Parce qu'il n'y a pas de régime de sanctions politiques réellement établi. Parce que le système électoral qui découle de l'actuel prescrit constitutionnel ne permet pas une évolution permanente du processus dans la mesure où c'est bloqué. Le système électoral, il est bloqué. Aujourd'hui, nous savons déjà qui seront les majorités et les dirigeants de demain. Ça ne peut pas changer. Tous vos arguments sont extra-constitutionnels. Hein? Non, mes arguments sont tout à fait constitutionnels. Je suis tout à fait dans la loi. Il n'y a pas de loi supérieure à la volonté du peuple. Je suis dans la loi. Moi, je suis dans la loi. Je dis juste... La même loi qui permet le changement de cette même constitution. Sa disparition. Je vous assure, moi, je ne suis pas un constitutionnaliste. Hein. Moi, je suis un économiste. Mais je suis un homme très intéressé sur les questions politiques et sur toutes ces questions-là. J'aimerais qu'un savant constitutionnaliste vienne me prouver que j'ai tort. Qu'il y a d'un côté des énoncés, il y a de l'autre côté la réalité. La souveraineté du peuple est incontournable. La force est incontournable. Si aujourd'hui on se réveille et qu'un zozo vient, il fait un coup d'État, vous faites quoi de votre constitution? Oui. Pour le balik comme état de sanction, au cas ici que ceux qui m'ont toi à côté boloko pas abimi. Non, ça c'est un stade. Non, ça c'est des arcs. Non, non. Détournement. Non, non, non. Vous savez, ça c'est des réactions. Non, je ne vais pas me montrer méchant.
mais l'école politique à laquelle j'appartiens m'empêche de rentrer dans ce type de bassesse, parce que c'est des raccourcis. Parce que si vous dites ça, moi je peux vous poser une question à l'envers, et il y a des détournements, n'est-ce pas ? Changer la Constitution ne changera pas ça, n'est-ce pas ? Mais garder la Constitution, ça changera ça ? Non. Ça au moins c'est une certitude. Mais alors, essayons ce qu'on ne sait pas. Mais c'est pas ça le but. Je vous ai dit, il faut... Si vous voulez comprendre... Puisque le chef de l'État, l'Obi Mahamat, a dit réalité. Au BTL, vu ce contexte, en 2006. Oui. Il y a 2011, modification et salema qui. Réalité, il y a un peu de changer les lots et comme il y a un peu de développement. Mais moi, je ne sais pas ce qu'eux, ils prévoient. Il y a une commission qui va se mettre en place. Moi, je vous donne mon point de vue. Je dis, sans faire de la question de la souveraineté de rédaction de notre Constitution un point d'achoppement, je constate, pour mieux le dénoncer, qu'il y avait une ingérence extérieure liée à la subordination des forces en présence, les forces qui décidaient de ce qu'il fallait mettre dans cette Constitution, RCD Goma, MLC, pouvoir en place. C'est essentiellement les trois forces. Le pouvoir en place avait la communauté internationale qui suivait, le RCD, l'Ouganda pour le MLC, le RCD, et tutti quanti. Premier constat. Je constate également, sans en faire un point d'achoppement, que la psychose qu'il y avait dans cette ville et dans ce pays entre 2003 et 2006 fait que les Congolais, comme à l'époque de Vichy et de l'occupation allemande, n'étaient pas souverains dans les choix qu'ils avaient opérés. Parce que qui pouvait voter le non en ayant des armées prêtes à s'affronter dans la ville? Nous étions tous pressés, et je l'ai dit précédemment, de sortir du statut de nation entièrement à part pour redevenir une nation à part entière. Monsieur, ça c'est sur le principe. Maintenant sur les sujets de changement qui me tiennent à cœur. Moi, je voudrais vous dire qu'il y a le mode d'élection, le rôle de la Commission électorale nationale indépendante. Je pense que le système actuel est un système sclérosé qui ne permet pas le renouvellement et qui consacre même, d'une certaine manière, un déni de démocratie dans la mesure où le jeu des appareils supplante le jeu de l'expression souverain et populaire du peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, nous savons déjà qui va diriger la CENI et à tous les niveaux, et que cette indépendance dont on parle est une indépendance sur papier, qu'en réalité, tous ces membres de la CENI travaillent pour des partis politiques, créent des partis politiques et forment les majorités de demain. Il faut arrêter ce système. Ensuite, il y a la question de la décentralisation. Je vous ai parlé des 40% de rétrocession en province, je vous ai parlé de la caisse de péréquation, mais je peux vous parler encore plus de l'avenir de la nation lié à la décentralisation. Vous parlez tous les jours de développement. Vous faites des éloges à vos ministres dont les compétences ne dépassent pas les 10 km autour de leur bureau. Ça, personne n'en parle. Aucun ministre congolais n'a plus de pouvoir que le périmètre de 10 à 20 km autour de son bureau. C'est ça la vérité. Il faut changer. Mais pas la décentralisation. Comment ça? Mais c'est la vérité du fonctionnement de notre État. Vous faites des petits trucs à Kinshasa, mais vous avez sur 26 provinces une vingtaine qui, pendant le premier mandat du président de la République, n'ont pas fonctionné. Comment voulez-vous que le pays se développe? Là, le développement, ce n'est pas Kinshasa. Parce que là, c'est un problème de constitution. Mais bien sûr, c'est fou. C'est le respect de cette constitution. Mais monsieur. Les autorités. Mais l'être humain. L'autorité ou les gouvernements de province, les chefs des entités territoriales décentralisées, disent qu'ils ne reçoivent pas mais ces alors, 40% là. Mais où alors, le problème de la Constitution? Mais la Constitution dit qu'il faut donner, mais la Constitution ne dit pas ce qu'il faut faire à celui qui ne donne pas. Moi je dis qu'il faut dire ce qu'il faut faire à celui qui ne donnera pas. C'est ça la grosse différence. C'est pour ça que je veux qu'il y ait un changement de Constitution. C'est bien de dire faites, mais dites également ce qu'encourt la personne qui ne fait pas. Parce que la loi du moindre fort est le choix naturel des hommes et des Congolais plus qu'ailleurs. Donc si vous dites aux Congolais donner 40% et que vous ne dites pas que si vous ne donnez pas, ils ne donneront jamais. La décentralisation. Il faut renforcer les capacités de développement à la base. Avec des sanctions, le régime de sanctions. Notre constitution doit avoir un article, les constitutionnalistes savent très bien le faire, qui dit que pour certaines décisions qui peuvent être énumérées, des sanctions politiques accompagneront la non-mise en œuvre. Et ça, c'est les lois organiques et ordinaires qui établiront le régime des sanctions. Le Premier ministre et son gouvernement,
S'il est constaté à la reddition de compte du temps N plus 1 que les 40% revenant en province n'est pas rétrocédé et démissionnaire, lui et son gouvernement, et sans débat. Ce qui t'a dit, il faut une contrainte. Moi, je veux faire appel au génie de nos constitutionnalistes. Et peut-être dans une loi organique, les contraintes. Pourquoi nécessairement l'inscrire dans la Constitution? Non, je n'ai pas dit qu'il fallait l'inscrire. Mmh. Je dis qu'il faut qu'il y ait un principe général dans la Constitution qui oblige les lois organiques à établir des sanctions politiques impératives, incontournables, parce que nous sommes un pays sous-développé, parce que nous n'avons pas de temps à perdre, parce que le développement ne peut pas se concevoir dans une optique d'apathie dans la gestion de la chose publique. Vous ne respectez pas les lois de finances, il ne se passe jamais rien. Vous ne respectez pas les lois de reddition de comptes. Les lois de reddition de comptes sont tout le temps des catastrophes, il ne se passe jamais rien. Les provinces n'ont jamais les 40%. Vous avez des institutions provinciales qui sont totalement clochardisées, des députés provinciaux qui viennent dormir. Mais à quel moment vous vous développez? La diaspora. Moi, je suis pour la double nationalité. Mais parce qu'il ne peut pas y avoir de développement sans des ressources humaines de qualité. Et nous n'en avons pas au niveau local les ressources nécessaires, les ressources humaines pour nous développer. Mais nous n'avons pas non plus les 30 dernières années investi dans le financement de la formation de nos élites. Mais nous avons la chance d'avoir eu une émigration suffisamment importante pour qu'on ait une diaspora en Australie, en France, en Belgique, en Irlande, aux États-Unis, partout, qui comporte des économistes de haut niveau, des ingénieurs en finance, des spécialistes en médecine dans tous les domaines. On a même des géophysiciens, on a une diaspora puissante en termes de savoir. Mais ces gens-là, moi j'ai par exemple ma petite sœur, le docteur Patricia Kambinga, elle est neurochirurgien en Afrique du Sud, mais elle revient pourquoi faire au Congo? Dites-moi, organiser cela, donner la double nationalité, puisqu'on n'a pas payé pour que ces gens-là se forment. Donner la double nationalité, organiser un système d'accueil trimestriel, vous dites aux ambassades de retrouver tous ces savants congolais. Il y en a qui sont bons dans la gestion administrative, dans les administrations en Europe, qui peuvent ramener ce savoir un mois par an, d'abord, ensuite deux mois, et jusqu'au moment où ces gens comprendront qu'ils ont plus intérêt et ils gagneraient plus, et pour eux et pour leurs enfants, à s'investir au Congo. Ce n'est pas possible si on ne travaille pas sur la question de la double nationalité. Ça fait 30 ans que nous sommes en insécurité, oui, permanente, particulièrement dans l'Est de notre pays. Est-ce que la question du changement de la Constitution peut-elle venir résoudre ce problème? Alors, il faut bien comprendre que c'est à deux niveaux que se trouvent les problèmes que les gens posent de façon aussi triviale. Hein. C'est facile de dire « Ah, est-ce que je change ma constitution et qu'aussi il y a sa guerre ?» Ben évidemment, si vous dites ça, la réponse est non. C'est comme quelqu'un d'autre qui pourrait dire « Alors, est-ce que qu'on garde la constitution et aussi il y a sa guerre ?» On dirait aussi non. Voilà. Mais il faut bien trouver une solution. Vous voyez, en amont, la constitution, c'est l'amont du système. On est en amont. Ça veut dire on établit un certain nombre de règles qui permettent aux structures en aval de fonctionner avec plus ou moins d'efficacité. Donc si la question est celle de savoir est-ce qu'une constitution plus adaptée aux problématiques structurées aux mentalités peut avoir une incidence sur la qualité de la gouvernance politique, la gouvernance même de la guerre, je vais vous dire oui. Parce que si vous avez une constitution qui dit à madame la première ministre que les objectifs assignés à votre gouvernement dans tel et tel domaine sont ceux-là, en cas de non-réalisation, voilà la sanction politique, on aura déjà travaillé à fond
pour obliger les uns et les autres à se mettre à la hauteur de leurs responsabilités. On ne doit pas consacrer une balkanisation, une partition du pays, si on allait sous ce chemin-là, pendant qu'il y a des territoires qui sont vous pouvez voter des présidents, voter des députés sans tenir compte de ces partis-là, mais quand il s'agit de revoir la Constitution, on ne peut plus. Mais l'Église catholique, la Bible le dit que notre pays est déjà fragile, surtout qu'il n'y a pas de même balkanisation, alors que Bambo Kanabi chez Aoki. Non, moi je pense qu'il faut éviter de jouer les Cassandres. Hein. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose sur les analyses de certains constitutionnalistes qui disent, bah oui, si vous changez la constitution, toutes les institutions tombent, ainsi de suite. Et là, peut-être que quelqu'un peut prendre une arme et venir faire. Bon, vous savez, moi je voulais vous dire, en réalité, le monde politique, le monde de la gestion des États, surtout dans les États fragiles comme les États africains, c'est pas le monde des bisounours. Hein. Je pense que le pouvoir se tient et qu'il y a des décisions à prendre et qu'à un moment, il faut les prendre. Si le président de la République, les institutions en place, considèrent que c'est le moment de le faire, ils doivent prendre toutes les précautions pour que les risques soient minimisés, si risque il y a. Je vous donne quelques pistes pour montrer à quel point les gens, parfois, veulent dire tout et n'importe quoi, même si c'est des spécialistes. Lorsque vous dites que si vous changez la Constitution, tout tombe, machin, tout ce que vous voulez, je ne sais pas en quoi c'est vrai, en fait, parce qu'on a changé une Constitution ici, en 2006, en février, après le référendum. Je ne sais pas, il n'y a rien qui est tombé. Jean-Pierre Bemba est resté vice-président, Roubaix-Roy est resté jusqu'en 2007. Jusqu'en 2011, on a gardé la Cour suprême, et pourtant la Constitution parlait de la Cour constitutionnelle, rien n'est tombé. Ça veut dire qu'on peut changer une Constitution, et que des mesures transitoires existent entre son application totale et l'ancien régime. Ça peut se lisser très, très, très simplement, sans que cela ne donne l'impression qu'il y a une catastrophe ou l'apocalypse qui vient. Un schéma dangereux, dangereux pour l'abbé Chollet. C'est un schéma dangereux. Non, moi je pense qu'il ne faut pas jouer les Cassandres. Je pense qu'on a les moyens institutionnels de se donner un pacte social nouveau, totalement légitimé par le peuple congolais, sans un pistolet sur la tempe. Ça ne vous gênerait pas de voir le président Tshisekedi être chef de l'État au-delà de 2028? Ça ne vous gênerait pas? Mais écoutez, je vais vous dire les choses telles que moi je les pense. Moi, je pense qu'on n'a que les dirigeants qu'on mérite. Ah oui, si il est président, est-ce que vous voulez qu'il soit président? Mais je vous ai dit, Chadari, il n'est pas président. Il avait l'armée, les services de sécurité, mais comme le peuple ne voulait pas, il n'a pas pu être président. C'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Le problème des politiques congolais, lorsqu'ils sont dans l'opposition, ils sortent de la société, en réalité. Ils prennent leurs idées et ils voudraient que leurs idées, que la société s'adapte à leurs idées. Au lieu de sortir de leurs idées pour aller vers la société et adapter leurs idées aux réalités de la société. Si vous ne voulez pas que Félix Tshisekedi se représente en 2028, cherchez la proie, arrêtez de courir après l'ombre. C'est ce que je dis à l'opposition. L'opposition court après une ombre, alors que la proie, c'est le pouvoir. Félix Tshisekedi, bon sang, il est président de la République parce qu'en 2018, il a compris qu'il ne fallait pas suivre ces approches chimériques de cette opposition prétendument rassemblée sous le label de Genève. Il a été pragmatique. Il a compris que ça, c'est une poursuite de l'ombre. Il y a le pouvoir, il peut s'imposer aussi. Contrairement il a décidé de suivre la voie du pouvoir et il l'a eu. La volonté populaire. C'est exactement ça. Mais la volonté populaire, c'est ce que je dis, c'est le pouvoir. Donc cherchez le pouvoir, arrêtez de vous arc-bouter sur cette psychose qui cache mal votre empressement. Tshisekedi, Tshisekedi, mais au-delà et au-dessus de Tshisekedi, il y a le peuple congolais. Il ne faut jamais l'oublier. Et moi, je vous assure que j'ai une expérience particulière de la radicalité du peuple congolais quand il va dans un sens. J'étais dans l'équipe de campagne
J'étais dans l'appareil politique d'Emmanuel Ramazani Shadary. Malgré l'armée, malgré la CENI, malgré les services de renseignement, il n'a pas pu être proclamé président. Donc si vous voulez gagner, allez vers la proie. Arrêtez de tourner autour de l'ombre. Jamais il n'y aura une constitution qui dira « Président de la République, constitutionnellement, c'est Tshisekedi » comme on a eu pendant la transition des partis qu'il y avait dans la constitution. La constitution, quelle qu'elle soit, elle sera toujours démocratique parce que c'est au peuple de décider, parce que on ne peut plus faire marche arrière sur ça. Donc en définitive, quels que soient les choix qui seront opérés, le peuple sera toujours la frontière infranchissable. Et moi, une fois que j'ai cette garantie, je pense qu'il n'y a plus aucune raison pour que les débats sur la Respublica soient censurés, que les réflexions subissent des espèces d'auto-dafés. Nous sommes-nous pas dans un débat politicien, étant donné que ceux qui étaient hier au pouvoir aujourd'hui ne veulent pas qu'on parle de changement de la Constitution. Et ceux qui étaient dans l'opposition veulent aujourd'hui changer le... Ne sommes-nous pas dans un débat politique? Oui, mais ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas eu le courage politique d'aller vers le peuple. En 2013-2012, je crois que Évariste Beauchamp avait tiré la sonnette d'alarme et proposé une réflexion qui devait aller dans ce sens. Mais pour aborder ça, il faut du courage politique. Ils n'avaient pas eu le courage politique. C'est bien de faire des communiqués aujourd'hui. Mais ils n'ont pas eu le courage politique. Mais la politique, c'est viril, hein. D'abord, c'est viril, la politique. Si vous n'avez pas le courage, vous n'allez pas reformer. Anatole France disait, gouverner, c'est mécontenter. La dictature ou le courage? Non, le courage. Parce que lorsque vous désignez un groupe politique en majorité, vous leur donnez le pouvoir de gouverner. Gouverner, c'est décider. Gouverner, c'est orienter. Gouverner, c'est proposer. Si vous n'avez pas le courage de décider, ne faites pas 10 ans après le procès à ceux qui ont le courage de décider. Le président de la République a le courage de décider. Il est aux commandes, il a le pouvoir, ce pouvoir lui a été renouvelé en 2023. Il dit en tant que magistrat suprême, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, je prends le courage. Il sait qu'il va faire l'objet de toutes les oukases de l'opposition. Mais il dit, je prends le courage politique de décider. Pas seulement l'opposition. Je veux qu'il y ait une réforme constitutionnelle. Je vais réunir un groupe d'experts qui proposera souverainement à la nation une orientation dans ce sens. Et ensuite, le peuple décidera. Mais courage, Johan, comme Mabiso, justement, on a crise politique qui était libre. Tant au Union Sacrée, IDPES, bah, lancé campagne à sensibilisation pour un changement de constitution. Et l'opposition s'est dit que, bah, on va écouter, bah, on a balabala. Est-ce que confrontation, on a tango, et que comme Mabiso. Mais il n'y a pas de vérité sans dispute démocratique, hein, vous savez. Ça, ce n'est pas un problème. Mais la vérité aussi, c'est que. Il faut remettre les choses dans leur ordre juste. Pour le moment, ce que moi je conteste, c'est le droit que certains voudraient s'arroger de décider à ma place comme Congolais de l'opportunité ou pas qu'il y ait un débat sur le changement de la Constitution. Parce qu'on débat depuis plus de 30 minutes avec vous. Mais on débat sur quoi? Sur un principe fondamental de la qui est la liberté individuelle de chacun de penser et d'avoir des opinions. Parce que personne entre vous ici n'a cette constitution. Liberté, oui. Mais pourquoi seulement on a deuxième mandat? Aucun de vous n'a une matière de discussion pour contester ce qu'il y aura dans cette constitution. Donc pour l'instant, vous discutez sur des principes du droit qu'auraient certains Congolais qui ne sont pas moins Congolais que vous, d'envisager autrement l'avenir de leur pays. Ça, c'est antidémocratique. Refuser un débat républicain sur la Respublica, la chose commune, il n'y a pas plus grand déni de démocratie. Moi, j'aimerais qu'il y ait un vrai débat lorsqu'il y aura le texte. Si on voit un texte qui nous dit, comme je vous l'ai dit, hey, article 10, le président de la République à vie, Félix Tshisekedi.
On discutera là. Il est où ce texte sur lequel l'Église catholique, telle une Cassandre, menacerait d'apocalypse l'avenir du pays? Il n'y a aucun texte. Donc l'idée même est censurée. Une société de la censure de l'idée. Donc on n'aurait plus le droit de penser dans ce pays. Non, on a posé la question de savoir, M. Germain Kambinga. Non, mais, le président avait la légitimité de faire, de proposer cette texte-là, cette réforme-là au premier mandat. Pourquoi il l'a pas fait ? Pourquoi il l'a pas fait au premier mandat? Il vient le faire au second mandat. Et pourquoi? Et pourquoi pas? Oui, mais moi je vous réponds. Parce qu'il ne faut pas que certains pensent qu'ils ont le monopole du bagout ou de la gouaille. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi vous vouliez qu'il propose au premier mandat? Il a décidé de le faire au deuxième. Mais je vous repose la question. Quelle est l'intention? Moi, je ne sais pas. Derrière, proposeront la deuxième mandat. Ce sont des jugements médiocres de ceux qui poursuivent l'ombre au lieu de poursuivre la proie. Mais je vous ai dit qu'en définitive, il ne peut pas y avoir une constitution qui prendrait au peuple le droit définitif de décider de qui il veut avoir comme dirigeant. Je vous ai même donné fait ici la démonstration que le peuple congolais, quand il ne veut plus, il ne veut plus. On l'a vu en 2018. Ne pensez pas, monsieur les bien-pensants, monsieur les grands politiciens, les grands savants du droit, que votre opinion doit forcément supplanter celle de la majorité. La majorité devra s'exprimer. Le président de la République, personne n'est plus légitime que lui pour ouvrir ce débat, de toute façon, a lancé un débat. C'est un débat qui est ouvert. Maintenant, il mettra en place sa commission. La commission proposera au peuple congolais le schéma à suivre. S'il s'agit d'une révision constitutionnelle, d'ailleurs là, il n'y a même pas débat, parce que c'est un débat parlementaire. Il y a 450 bonhommes à l'Assemblée nationale qui, tels des godillots, vont l'adopter. Il n'y a pas débat. Et surtout que ce ne serait pas la première fois. On a déjà eu une révision constitutionnelle en 2011, et ça n'a même pas fait de bruit. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait, et puis ils l'ont fait. Il n'y a pas eu de publicité avant, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Nous tous, on a été surpris. Ah, il y a une révision constitutionnelle. Et le Congo n'a pas explosé pour autant. Vital Kamerhe, qui aujourd'hui est président de l'Assemblée nationale, dont on sait les ambitions, la volonté également d'être chef de l'État. Il a été candidat à deux reprises. Il a été candidat en 2011, il a été candidat en 2018, bien qu'il s'est retiré. Son silence aujourd'hui n'est-il pas à craindre? Monsieur, vous n'allez pas me demander à moi de devenir commentateur des ambitions des autres partis politiques. Moi, j'ai mon parti, moi-même je suis chef de parti, je ne commente pas ce que les autres veulent faire ou pas faire. Ils peuvent être plus grands, mais non, moi je parle des principes, donc ça c'est des débats. Vous avez suffisamment de commentateurs politiques sur vos plateaux pour ce type de sujet. Le silence de... Ça ne m'intéresse pas ce que lui pense. Moi ce qui m'intéresse, c'est ce que moi je pense. Vous avez bien compris mon approche. J'ai une pensée précise. Je suis un libertarien. Je pense qu'il n'y a pas de droit plus important que la souveraineté du peuple. Et c'est cette idée que je défends. Rien d'autre. Et ça fait 10 ans que je défends cela. Les articles existent. Je dis la même chose depuis 2017. Voilà ce qui m'importe. Ce que les uns et les autres pensent, ça c'est leur problème. Neko Germain Kambinga, malgré que Boyi Mutuna Ndeko. Non, on a boité, je pense que c'est pas de mon niveau. Batunion sur bazo kanisa ndenge mon côté. Donc Mutuna Mutazo, suspect baza contre changement de constitution. Non, moi j'ai pas refusé sa question, je pense que c'est pas de mon niveau, c'est tout. Moi je suis pas un commentateur politique. Je viens pas sur les plateaux pour parler des autres chapelles. Moi je parle du centre, de la vision centriste, des visions qui sont les miennes, des collaborations que je peux éventuellement avoir. Je suis pas là pour parler Ça m'intéresse pas.
que problème, il y a M23, ça problème, il y a des Congolais, et c'est va vendre peu bas solo là. Vous pensez que le chef de l'État, qui est en Ouganda, peut nous apporter une solution sans il y a Nengemaramezo qui est en partie Est? J'espère que vous n'êtes pas sérieuse quand vous posez cette question, parce que ce n'est pas la première fois que les chefs d'État se rencontrent. Non, la solution de la guerre, c'est de la gagner. Je l'ai déjà dit sur votre plateau. Je pense que le président de la République est dans une logique de fight and talk. Le président de la République, Tamoussou, soit analogique, au Babengaka, Tozo Bunda, mais Tozo Solo la paix en même temps. Peut-être Wana, mais Kokadisa Kepoa, Keikuna Guerre aussi, là. Wana Zapuna Banamike, Tamoussou, mais Mikolone Tibiso. Tu vois bien que solution est Zapunate. Solution est Zakolonga et Tumba, bien sûr. Mais Makanissi a Yorim Museveni sur le M23, c'était que Bisso, tout un peu tout seul. Mais Yorim Museveni. Azan a intérêt à tasoki mon côté que bisoto za la makasi. Bango, batonga, bambouka na bango, na faiblesse ya l'état na biso depuis plus de 20 ans na partie est. Bazo bongi se pa na bango, bazo yibe pa na biso. Donc bango bazan a tan intérêt mon côté na biso. Donc il faut koye bayango. Donc voilà. Je n'attends rien de Museveni, je n'attends rien de Kagame. Kagame, Museveni, soki bo longi bangote, brozuelo côté. Et le processus de Luanda? Mais wananyoso ezaba distraction, il n'y a rien là-dedans. C'est le fight and talk que je crois que l'autorité n'a pas compris. Comprendre en gros. Il y a un autre qui a commis un budget à peut-être 1 milliard. On a proposé à qui, il y a quelque temps, tout ça là-haut, les états généraux, les services de sécurité et les services militaires et de sécurité. Ça veut dire, mbongo, tout après à Kocha, mais il faut que il y a un secteur où il y a Fanda, ba tsolo la makambo wana ya Est, ba oyo ba zala kakala, ou ba koma ba retraité, na ba oyo ba zalelo. Bah changer, bah échanger, bah expérience nabango pour nako proposer biso mbongo toza nango sikoyo mais tozo kokate pour nanini il faut banganga maele ba vanda mais causer la que kaga meatika elengi ya mbongo ayiba kana na est Museveni la même chose vani za kolota guerre baganya kango eza bituma mibali il faut tolonga eza ti makambu na bino constitution non so ki boleki UDPS na makasi bolonga e pour UDPS ako bunda Agobunda démocratiquement parce que c'est un parti azana ba militant ba so ba yambi eloko ba kenda ka nenge bi le problème bi problème nito kozana na mboko na makambo etali constitution c'est qu'à la différence par exemple du régime antérieur l'opposition trouvera toujours du répondant parce que l'UDPS c'est la ferveur militante. C'est le militantisme par excellence, depuis plus de 30 ans. C'est pas de la flatterie, je ferai jamais de l'UDPS, jamais. Je suis centriste et président du centre, mais je suis honnête. L'UDPS va s'imposer, se battra. L'UDPS se battra. L'UDPS se battra, sachez-le. Donc si vous se battra démocratiquement, sur le jeu là, que vous dites, oh non, vous allez faire des marches, à la différence de l'époque de Kabila, c'est qu'il n'y avait pas de répondant. Mais sachez que s'ils disent... qu'ils vont se battre, ils vont se battre comme vous, à démontrer qu'ils sont plus nombreux et plus volontaires. Donc ce sera un combat d'hommes, un combat d'idées, un combat démocratique. Il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait une marche par-ci et une autre par-là. Il ne faudra même pas craindre cela, parce que s'il n'y a pas cela, c'est la guerre. Mais s'il y a cela, c'est le débat démocratique qu'on voit en France. De toute façon... les questions constitutionnelles, de révision, de changement, sont toujours des moments de grande contradiction dans toutes les nations. Ce n'est jamais un débat apaisé, que ce soit en France ou ailleurs. Je vois qu'il y a une révision constitutionnelle au Gabon actuellement. Mmh. Vous voyez, les débats sont animés. C'est toujours un moment de grande animation entre ceux qui sont contre et ceux qui sont pour. Mais en réalité, cette dispute, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, c'est l'essence même de la démocratie. Il faut qu'il y ait une dispute. C'est de cette dispute que jaillira la lumière. S'il n'y a plus la dispute démocratique, il n'y a plus l'émergence des dits. Vous dites ? En 2016. Nakatia discute, Nakatia ya conduit. Non, peut-être parce qu'il n'y avait pas de dispute, justement. S'il y a une dispute démocratique, il n'y a pas de mort. Vous faites votre marche, les autres font leur marche. Il y a des morts lorsqu'il y a une opposition qui se radicalise en dehors des règles démocratiques et que l'État oppose la rigueur de l'État. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de la contradiction de camps. Il y aura un camp du non, mais il y aura un camp du pour, qui cette fois-ci, je suis sûr, sera super actif.
Donc, le débat, il se fera. Donc, un, la guerre, il faut la gagner. Mon point de vue, il est clair. Ce qui est bundité, bolongité, botika, biloko kosolo, lana batwana, les a dit qu'un bambongo. Il n'y a pas de philosophie. Bazoaka mbongo est bêlé des milliards depuis 20 ans. Moutazoaka milliards, milliards, milliards. Okansi dit qu'un roti kapo na masolo. Ce qu'on a au bouki maboko ta roti kate, ce qu'on a au bouki mbangate à koti kate. Donc ça ne sert à rien. Il faut structurer nos services militaires et de sécurité à travers ce que moi j'appelle les états généraux du secteur. On a des moyens immenses qui sont mis à la disposition dorénavant. Comment combattre les détournements, comment orienter de manière plus rationnelle ces financements vers des objectifs précis. Et nous gagnons cette guerre parce qu'on a les moyens de la résilience, contrairement à nos ennemis. Continuons le changement. C'est dans quelle optique vous aviez rédigé cet ouvrage, M. Germain Camille? Terminons par là. Oui, alors moi je vais rédiger cet ouvrage pour... mettre un miroir en face de la société congolaise. Hein. En fait, c'est un miroir qui présentera deux reflets à la lumière de l'histoire. Soit l'émergence du Congo, soit la défaite face à une amorce qui, elle, était positive. Je m'explique. Si le président de la République veut rentrer dans l'histoire, il faudrait que lui et ses équipes profitent des prémices que je considère comme positives de l'entame de son mandat. S'il veut aller dans la poubelle de l'histoire, ben il faut continuer dans les atermoiements et effectivement les volontés exprimées par lui dans les différentes décisions prises passeront par perte et profit. Il ne faut jamais oublier qu'au lendemain des indépendances, les prémices du mobutisme étaient extrêmement positif. Le Congo, le Zaïre des années 70, était un Zaïre de l'exemple. Tout le monde voulait venir au Zaïre, mais on a tout de suite vu après que la suite n'a pas été à la hauteur. Donc l'idée de cet ouvrage, c'est de dire, il y a de l'espérance. Il y a des choses qui commencent très bien, ou qui ont très bien commencé. Mais attention, si tel ou tel aspect n'est pas rencontré, c'est la poubelle de l'histoire plutôt que le panthéon. Voilà ce que je veux dire. On va tout de sur continuant les changements. On a beaucoup de tombolimoa misala data mokambiko asala qui n'a mandat na yaliboso. Vous pensez que depuis le côté 2024 mandat ni balé tous en a même là on a gouvernement souminois. Vous savez, la politique à un certain niveau, il faut pas la faire quand on a faim, hein, parce que sinon ça peut devenir très embêtant. On sera soit très méchant parce qu'on est aigri, on sera soit dans la flatterie totale parce qu'on espère avoir un peu. Moi, toute ma vie, je me suis organisé pour que, à des moments comme ceux-ci, je ne sois pas dans l'une ou l'autre de ces dépendances. Donc moi, ce que je dis, c'est la vérité. Moi, je dis, il y a de bonnes prémices. Et que ces prémices, si elles ne rencontrent pas une logique de travail et d'efficacité, entraînera un échec qui va faire passer le président de la République du panthéon de l'histoire à la poubelle de l'histoire. Il est évident que si vous me posez la question de savoir, après les élections de 2023, est-ce que les choses telles qu'elles se présentent, les OPSA espoir, taux désespoir, j'inclinerais à penser que... Bah, alors, disons que si je devais donner un conseil à notre première ministre, je dirais, elle doit d'abord définir la vision qu'elle a de sa fonction. Une fonction, ça doit s'incarner. S'incarner, fonctionnalité. Une fonction, ça doit s'incarner. Ça veut dire la vision de l'État, la vision du pays. C'est celle que donne le président de la République. C'est sur cette base-là qu'il est élu. Le gouvernement n'en est que le dépositaire. Donc ce qu'on attend du gouvernement, du Premier ministre et de ses ministres, surtout du Premier ministre, c'est d'habiller et d'habiter la fonction. De donner des marqueurs qui laisseraient penser au peuple que si tout ne peut pas se faire en 2 mois, les marqueurs sont là et nous avons bon espoir d'atteindre un objectif. Pour le moment, ce qui peut être reproché à la Première ministre, c'est qu'il y a encore des ingrédients qu'il faut
très rapidement mettre pour que sa gouvernance, je veux dire, des ingrédients et des pastels pour que sa gouvernance ait une couleur et une saveur. Vous avez du mal à répondre. Voilà, non, je réponds très clairement. Je dis qu'elle n'incarne pas encore suffisamment sa fonction. Elle doit pouvoir l'incarner. Elle a eu la confiance du président de la République à un moment critique. C'est le moment critique du destin du chef de l'État. Le président de la République n'a pas besoin d'être flatté. Il est déjà chef d'État. On ne peut pas être plus flatté que quand on est chef de... On ne peut pas être plus flatté que le plaisir d'être chef d'État. Il l'est déjà. La seule chose qui reste au président de la République, c'est de rentrer dans l'histoire. Donc, lorsqu'il fait confiance à un Congolais ou à une Congolaise, c'est pour l'aider par des actions, lui, le président de la République, à rentrer dans l'histoire. Donc, il faut incarner la fonction, donner une lisibilité à son action, donner une direction. Alors, je vais dire donner un sens à l'action gouvernementale. Le sens ici comme signification, le sens ici comme direction. On n'a pas l'impression que le gouvernement est totalement tenu, les initiatives sont un peu éparses, il y a un excès de communication, disons, de chaleur, très peu de lumière, les résultats tardent, la politique monétaire, financière repose sur la rétention des dépenses, des foyers de tension sociale éclatent de partout. Il faut rapidement mettre de l'ordre dans tout ça et ils ont les moyens politiques puisqu'ils ont une forte majorité, puisqu'ils ont la confiance du président de la République. Il faut corriger cela très rapidement. Moi, je la connais, hein, la première ministre, parce que c'est une femme extrêmement compétente, hein, avec qui j'ai eu à travailler dans une vie antérieure, lorsqu'elle était dans les institutions internationales et moi au ministère de l'Industrie. Donc, je garde un souvenir tout à fait positif et je pense qu'elle a les capacités. Maintenant, il faut incarner la fonction. Il faut incarner la fonction, c'est très important. Parce que le temps passe et les enjeux politiques évoluent, se modifient. Et à un moment donné, ça risque de ne pas être rattrapable. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Germain Kambinga, d'avoir été avec nous dans cette émission. Pour votre... C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que, au terme de nos échanges, nos points de vue ont été, pour l'essentiel, entendus. Personne n'a le droit de prendre votre liberté. Moi, en tout cas, la mienne, je ne la donne à personne. Ni à l'Église catholique, ni à l'opposition fantoche congolaise. Je garde ma légitimité de penser et de dire voilà ce qui devrait être fait pour mon pays. Et chaque Congolais devrait avoir cette rigueur personnelle et cette jalousie face à sa liberté. Ils ne connaissent pas plus que vous ce qui est bien pour vous. Ils ne savent pas plus que vous où vous voulez aller. Soyez libre de décider. Voilà ce que je dis au peuple congolais. Merci. Merci beaucoup. Merci, Madame Nambokila. Ben, la prochaine fois, je vais parler en lingala, hein, parce que je vois que j'ai... Na BBC parti na yo, pour nazaï kobosa na koloba. Ligambote. Matin domini wana mboka. Merci beaucoup de nous avoir suivis, à vous aussi, à toute la population. C'est vous qui allez décider. Souverain primaire, portez-vous bien. Et à très bientôt.